Déjà les noms, il faut savoir que nous les noms, nous c'est, on ne travaille pas avec les noms, on ne travaille pas avec les statuts, on travaille avec les performances et on travaille avec ceux qui sont capables de donner. S'il veut parler de Riyad Mahrez, puisque je sais que les noms c'est tout de suite le premier qui arrive, si on parle de Riyad Mahrez en termes de performance, que ce soit en équipe nationale ou en club, juste sur l'année 2021, il est déjà peut-être meilleur buteur, meilleur passeur de son club. Avec nous, il a été très performant. Donc, nous, c'est les performances qui parlent. Donc, déjà, les noms, on oublie cette chose, ça ne marche plus chez nous. Parce que tous les noms sont importants, tous les noms qu'on sélectionne, nous, c'est les performances. Ensuite, non, le match ne sera pas facile, je viens de vous le dire. Peut-être qu'on ne l'a pas traduit à notre ami, il n'a pas tout entendu. Parce que j'ai vu que dans le truc, le 1, 2, 3, il n'y avait pas l'espagnol. Donc, peut-être qu'il n'a pas entendu, il n'a pas compris. Et je ne sais pas qui va pouvoir lui traduire maintenant. Hein? Ok, malheureusement je parle pas l'espagnol. En tout cas, le match sera pas facile. On sait que on a parlé de leur campagne de qualification Coupe du Monde. Je vous ai dit, elles ont posé beaucoup de problèmes à la Tunisie. Donc c'est une équipe de bons joueurs, vraiment de bons joueurs, qui ont tous été formés en Espagne. Il y en a même un ou deux qui joueront en première division espagnole. Notamment Acapo, je crois, qui joue à Cadix en première division espagnole. Donc il y a de la qualité, c'est des joueurs de ballon, c'est pas des, on ne va pas rencontrer des peintres, avec tout le respect que j'ai pour cette profession, mais en l'occurrence, quand il s'agit de jouer au football, on va avoir un match compliqué, on va le prendre par le bon bout, et on va évidemment bien respecter cette équipe-là, et la meilleure manière de respecter une équipe, vous savez ce que c'est. Bonjour, Victoire Méline pour la NBC. Une question pour le coach. Justement, vous avez parlé de frustration de cette équipe de Cyrano qui vous a un peu étouffé et qui a réussi à vous empêcher justement de marquer. Quels sont ces points de frustration qui ont été flagrants pour vous et sur lesquels vous avez sans doute travaillé pendant ces 4 jours et que vous comptez gommer et pas reproduire face à la Guinée équatoriale? Le point qui me vient tout de suite à l'idée, c'est finir les situations qu'on a pu se produire. Donc, avant toute chose, c'est ça. Avant toute chose, c'est être plus chirurgical, plus tueur, finir nos actions. C'est ça qui nous a posé problème. Donc, c'est sur le geste final, c'est sur la dernière passe, c'est sur l'avant-dernière passe. Donc, je vous dis, ce qui aurait été problématique, c'est que là, par contre, ça aurait pu être inquiétant, c'est de ne pas produire. C'est de ne pas produire, malgré la difficulté, malgré ce que nous a proposé l'adversaire, à savoir un bloc comme ça, assez compact, avec beaucoup de joueurs. On a vu, par exemple, Camara, leur deuxième attaquant, combien de fois être dans la surface de réparation, à beaucoup défendre. C'est pour dire que tout le monde était dans ses tâches défensives et tout le monde était concerné par les tâches défensives. Donc, malgré tout ça, on s'est créé beaucoup, beaucoup d'opportunités de marquer. On ne l'a pas fait. Donc ça, c'est le truc numéro un sur lequel on a insisté. Et après, on reste quand même sur d'autres choses, sur d'autres points. Bon, 3-4 jours n'a pas suffi à proprement travailler, mais plutôt à rappeler un peu plus d'équilibre, un peu plus de faire attention, un peu plus. On a eu une ou deux situations de contre qui auraient pu faire mouche. Donc voilà, c'est toujours la problématique, c'est essayer d'attaquer le plus possible, essayer d'aller marquer des buts. Ça changera pas, c'est dans notre ADN, dans la mienne, dans celle que j'ai essayé d'inculquer aux joueurs, mais toujours avoir un équilibre. Il s'avère que des fois l'équilibre il n'est pas toujours présent. Et on laisse un petit peu des situations, des fois, de 1 contre 1, 2 contre 2. C'est les risques de ce football-là. On a beau limiter le plus possible. Et c'est ce qui s'appelle l'équilibre, c'est ce qui s'appelle, entre guillemets, j'ai l'habitude de dire, marquage préventif pendant qu'on attaque à 4, à 5, voire à 6. On doit être capable d'être... en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est la difficulté de ces joueurs qui ne participent pas. Les 4 joueurs peut-être qui ne participent pas. Et ben aux tâches offensives, et ben d'être présent défensivement, de faire très très attention, d'empêcher les contre-attaques et les attaques rapides. Donc voilà la difficulté du truc, mais moi je vois le football comme cela. Donc voilà, pour répondre très simplement au truc, finir nos actions et être encore plus sûr techniquement, un peu moins de déchets techniques sur les avant-dernières passes, dernières passes, sur la construction, être encore meilleur là-dessus.